bien de venir là aujourd'hui, puis d'avoir bravé le temps du repas pour venir nous écouter, c'est génial. Donc, moi, aujourd'hui, je dirige une PME familiale. Et au milieu de mes recherches, au milieu des archives, je suis tombée sur des écrits de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère. Et en fait, je découvre que ces deux arrière-grand-mères ont traversé les deux guerres sur des épisodes complètement fous. La première, par exemple, elle est allée prendre, donc juste au moment de la Première Guerre mondiale, le bateau qui avait récupéré les naufragés du Titanic. Donc imaginez un bateau pour traverser l'Atlantique, vous avez tous les sous-marins allemands qui sont là juste pour venir les couler. Et là, elle traverse l'océan pour aller chercher un fournisseur américain parce qu'elle n'arrive plus à le trouver en Europe, pour continuer à produire. Ça, c'est une arrière-grand-mère. Ma grand-mère, elle, fait face à la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, on n'a plus les ouvriers, on n'a plus la matière première, on n'a plus les clients, on n'a plus les marchés, on n'a plus rien. Et il faut continuer à faire tourner la boîte. Et là, du coup, il faut tout réinventer. Se réinventer en tant que société, se réinventer en tant que collaborateur, se réinventer en tant qu'objectif commercial pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Et je me dis que finalement, ben, je découvre à travers, je sais d'où viennent ces gènes de battante, et d'envie de créer et de se réinventer tout le temps. Alors, vous allez me dire, moi, je suis la cinquième génération pour cette société familiale. Aînée d'aînée, très naturellement, c'était normal que je récupère la boîte. Bah, pas du tout. Déjà, premièrement, parce que je suis une fille. Alors, on pense jamais à une fille pour reprendre une société, ça, c'est sûr. Et puis, deuxièmement, parce que moi, ça, c'est pas du tout un domaine qui m'intéressait. Je voulais être spationaute, je voulais partir explorer l'espace. Et en fait, les parcours ont fait qu'on s'est croisés, l'entreprise et moi, et la sauce a pris. Alors cette entreprise, elle s'appelle Timonier. C'est une superbe entreprise avec une équipe fantastique. Et on conçoit, on fabrique des machines spéciales d'emballage souple pour protéger des produits sensibles. Alors soit des produits qu'on va s'injecter, par exemple. Donc on fabrique des poches de perfusion, des filtres à sang, des produits que l'on va ingérer. Donc, on va retrouver toutes les poches souples, par exemple, les sachets d'eau à Pâques, au passage qu'a inventé mon grand-père, qu'on retrouve dans les linéaires pour tout ce qui est, par exemple, sucre, pâte à gâteau ou autre. On va retrouver tout ce qui est produit qu'on va mettre en cutané ou en atmosphérique, avec tout ce qui est berlingot de Javel, encore inventé par mon grand-père, d'adoucissant, tout ce qui va être éco-recharge, beaucoup de shampoings, de savons liquides, et une dernière partie d'activité de soudure des matériaux souples. Ça, c'est l'activité d'aujourd'hui de l'entreprise. Mais quand on parle métamorphose, l'entreprise, l'histoire, elle a commencé en 1830 avec Barthélemy Timonier, qui, lui, a inventé la machine à coudre. Alors, pour ceux qui y penseraient, je ne sais même pas utiliser une machine à coudre, on ne fait plus du tout ça. Mais il n'empêche que, pendant l'histoire de l'entreprise, ces métamorphoses où l'on vient complètement transformer non seulement l'activité, mais aussi, je dirais, la raison d'être de l'entreprise, ce sont des choses que l'on a traversées déjà dans le temps et que l'on transforme de manière différente. Alors souvent, quand je fais visiter le musée de ma machine à coudre, qu'on a encore, on a une collection privée dans l'usine, quand je fais visiter ça aux jeunes, et puis aux moins jeunes d'ailleurs, je leur explique que ce musée me permet de montrer, de toucher du doigt ce que c'est que l'innovation. Parce qu'il y a l'innovation de rupture, ça va être le passage de la machine à coudre à la machine d'emballage, la machine de soudure. Ça va être tout ce qui va être de l'innovation forcée. Donc c'est ce qu'ont connu mes deux arrière-grand-mères, parce qu'il a fallu se réinventer. Donc c'est à cette époque-là, comme à peu près tous les industriels français, on a fait des vélos, on a fait des moulins à café, on a fait des métiers à broder, parce qu'il fallait bien habiller les soldats. Donc on a fait des métiers, des poupées en chiffon par exemple. On a fait des métiers complètement différents parce qu'il nous fallait un marché, tout simplement. C'est ce qui s'achetait par temps de guerre. Et c'était les besoins du pays à l'époque. Et puis aujourd'hui, on est plus dans l'innovation incrémentale, où là, on vient concaténer des technologies qui sont différentes, qu'on vient piocher dans d'autres domaines et que l'on vient mettre avec nos savoir-faire à nous pour pouvoir essayer de créer notre avenir demain. Quand je parle, par exemple, de concaténer des choses complètement différentes, aujourd'hui, par exemple, on est sur des générateurs de soudure. Eh bien, ces générateurs de soudure, actuellement, on est en train de travailler avec des start-up, peut-être pour les utiliser, non pas pour faire de la soudure, mais peut-être pour créer de l'hydrogène. Donc, des choses totalement différentes qui sortent complètement de notre marché et qui font que demain, on est en train de créer peut-être un futur virage pour Timonier.
Alors après, vous vous dites, mais finalement, là-dedans, comment est-ce qu'on vient se positionner? Comment est-ce qu'on arrive à se métamorphoser? Pour reprendre un peu l'exemple qu'a pris Bruno Bonnel tout à l'heure, finalement, comment est-ce qu'on arrive dans cette chrysalide à aller s'ouvrir à des choses différentes de ce qu'on avait avant? Alors déjà, à la base, moi, j'adore, je suis hyper curieuse, donc j'adore aller chercher un peu partout. Mais je vais dire, je m'appuie sur mon environnement. On a la chance aujourd'hui de pouvoir communiquer très facilement, de pouvoir s'ouvrir à tout plein de choses. Alors, les deux pieds de timonier, c'est l'innovation et l'international. Donc, c'est très bien. Donc, du coup, j'ai l'immense chance qu'on m'ait proposé de rejoindre l'INPI, par exemple, comme présidente du conseil d'administration. Donc, j'ai dit, j'arrive, Pascal. Qu'on vienne me proposer de rejoindre le conseil d'administration de Business France. J'ai dit, j'arrive, Pascal, c'est un autre Pascal. Qu'on me propose aussi de pouvoir rentrer au niveau national sur tous les enjeux de la problématique de l'industrie, en particulier l'industrie mécanique, avec toute la force de l'industrie du futur qu'on a créée depuis à peu près une quinzaine d'années avec les syndicats professionnels au départ. Et toute cette force, et moi je suis ravie aujourd'hui de voir la transformation que ça a pris avec les French Fab, avec les French Tech et tous les French qui vont autour, c'est génial. Parce que voilà, on a insufflé ça au départ et je suis vraiment comblée de voir que non seulement la sauce a prise et que chacun s'approprie un peu sa part de bataille et vient créer, co-créer là-dessus parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et cette industrie du futur, donc du coup, on va le faire avec un petit bout du CETIM, c'est pareil, donc au conseil d'administration, pour voir un peu quelles sont les technologies et les innovations qui arriveront dans 10-15 ans dans nos industries, au niveau de la Fédération des industries mécaniques, où j'en ai été vice-présidente. Voilà, donc tout plein de choses. Et puis après, à côté de ça, la PM pour aller continuer à se former en tant que dirigeant. Et puis à côté de ça, de pouvoir toucher un peu du doigt le numérique, avec des entreprises sur le digital, les biotechnologies, avec toutes les start-up, pour appréhender comment ça fonctionne, pour finalement aller chercher le terreau qu'il me faut pour se métamorphoser, pour métamorphoser l'entreprise, métamorphoser les équipes et donner un sens à tout ça. Merci beaucoup et très bon vent.